saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside. Quentin Scarsting, but it's okay. I know, she knows that I'm not fond of asking, but you or false it may be, or she still out to get me. What are you singing? I got bitches along my dick. I got some bitches along my dick. Is it around or along my dick? Is that good? Yeah. Yeah. Chez la restaurant. Ouais, c'est là. Il y a un léger vent. Allez, on va. Libanese. Oh my god. Hello. Comment ça bouge ici? Ça va? C'est très galésien. Là on va voir la pression des pneus. Des pneus de voiture, parce qu'on a besoin de... C'est un moment que nous passons. On s'est fait contrôler par la douane. Enfin, on va se faire. Alors, notre avis sur les Serbes, peuple à la fois rural et autochtone, ils ont su conserver une culture austère assez particulière. Peu chaleureux. Et on attend que de se faire contrôler. Super cool. What did you think about the douche rectal? The douche rectal. It was interesting. Yeah. Yeah, they were. I think they were more confused than I was. T'en as pensé quoi du douche rectal? Ben, je trouvais qu'il allait pas assez loin, mais ouais, ça va. Ça va. Bonne expérience. Comme on dit, on s'est réveillé à la fraîche. Il est à peu près 9h30 du matin et on visite Belgrade avec Quentin. On fait des photos en argentique, c'est super intéressant. Il y a un beau soleil. C'est tout pour le moment. Ouais, c'est ici que tout se passe, hein. Ouais. En fait, on est tombé sur une petite échoppe et il y a des partitions de musique. Je fais pas de musique, hein, mais c'est joli. Elle est très sympa, elle me donne un petit siège pour poser les livres. You come and rattle my cage. I win the battle, but I... Je pense que c'est la sortie d'école. Mais il est 10h du matin. L'entrée d'école. Won't win the war. You leave me lost in a daze. Fun fact à savoir qu'il n'est pas forcément très fun, mais je suis fanatique des marchés. Et à Kiev, nous avons fait un marché qui était très sympa, vraiment très agréable. Et apparemment, on se trouve devant un autre marché, marché Belgrois. Belgrois, je pense. Belgrois. Là, El Marquette. On vient de rentrer dans le marché qui ressemble plus à un souk. Serbe, ça m'a l'air sympa. Bon, la première partie du marché faisait un peu style quincaillerie, comme on aime à dire. Là, ça fait plus marché fruits et légumes, et ça, on aime bien.
aucune idée de ce que c'est. C'est des bessins. Super agréable en fait, c'est très agréable. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a de la viande, j'ai pas eu de poisson. Et des fruits secs. Et c'est super agréable. On va aller rejoindre Quentin. Je viens d'acheter du miel chez une commerçante super sympa qui ne parle pas anglais mais qui parle serbe. Et je ne parle pas serbe. Mais c'était sympa. Après avoir fait Zagreb, nous sommes à Belgrade. Et en fait, la rivière qui passe à Zagreb passe aussi à Belgrade. C'est la Sava, S-A-V-A. Et bah, rien à dire en fait. Hein. Juste ce fun fact. On est un peu dans un quartier huppé fancy, j'ai envie bobo, de dire. Ouais. Bobo. Il y a du bobo. Heureux d'être à Belgrade ou pas? Waouh, j'en ai. Et ouais. Quentin a une passion pour collectionner le sucre. J'en ai, je crois, dans mes poches, il me semble. Ah, mais faut les voler hein, pour faire des gâteaux. Tu manges aussi le sucre comme Quentin, genre tous les jours? Ah, ok. T'as trouvé ton âme sœur. Comment ça se passe la traduction? Je ne sais pas si c'est à boire ou à manger. Voilà, voilà où on en est. Mais je pense que là, ça, là, c'est à boire. Ça, ouais. Moi, j'avais. De quoi? Canaté, ça doit être à boire. Canaté. Ouais, canaté, vu les prix. C'est un pic. Elle est canaré. Qu'est-ce qu'on a demandé, Capucine? Une salade. Une quoi? Une salade. On a une baguette de pain. And you, are you happy for all your food? Tu es happy? Yes. Tu es happy? Yes. Yes. Beaucoup d'enthousiasme ici.